la Viville. Donc aujourd'hui, un petit peu comme hier, on va aller regarder remplir un peu les tonneaux. Parce que bon, ça serait bien qu'il retire toute cette boue de la Viville. Et donc on va aussi regarder qu'est-ce qu'il faut pour faire. Il faut des mushrooms, mais je n'en ai aucun ici. Je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns ici. Oui, il y en a un là, mais on ne va pas aller les chercher tout de suite. Et donc on ne peut pas encore planter des mushrooms. Et je pense que le bug exploit dont je vous parlais hier me permettra d'ailleurs de planter des mushrooms en intérieur. Et bon, nous verrons ça. Bien, dès que je vais péter le pif au Froggy ici et que j'aurai l'accès déjà à ce charbon qui me tente quand même beaucoup. Il me semble que j'avais trouvé du minerai. Ça c'est du gravier, ça c'est un Froggy, ça c'est du gravier. Ah, il me semblait pourtant que j'avais trouvé du cuivre à un moment ou à un autre. Je scroll rapidement, déjà vu que c'est pas beau sur mon écran, je pense qu'une fois encodé ça sera horrible. Voilà, du cuivre, donc il y a bien du cuivre. Et ça, c'est plutôt sympathique. Donc, oui, j'ai regardé l'heure ce coup-ci, c'est ce que j'étais en train d'essayer de faire en même temps que parler. C'est pour ça que ma phrase n'avait pas vraiment de sens. Donc mes petits vitoyens rangent. Comment ça va au niveau de la nourriture? Ça va mal, puisqu'ils ont produit juste assez pour survivre. Donc on va agrandir la boulangerie si j'y arrive. Ok, parfait. On va réagrandir la boulangerie, voilà. Donc on va doubler le nombre de postes disponibles. Non, ce n'est pas dans la fourniture, ce n'est pas dans le building, c'est dans utilities. Alors, Baker's Oven, 1, 2, 3. Baker's Table, 1, 2, 3. Et voilà. Oups, ce n'était pas du tout ce que je voulais faire, mais voilà. Donc comme ça, ça devrait être un poil mieux. Donc, qu'est-ce qu'on a comme nourriture en stock pour le moment ? Il y a, non, il n'y a rien en stock de ce côté-là. Il va falloir que l'on récupère quelques petites pommes. Parce que sinon, ça va poser problème. On récupère un peu de fruits. C'est pas extrêmement évident comme début de partie. Je n'ai peut-être pas forcément fait le plus logique comme début non plus. Mais bon. Je pense qu'il va falloir que je construise un nouveau moulin. Donc on va construire un nouveau moulin. Est-ce que je peux le mettre là? Non, je vais le mettre ici. Donc... Et maintenant je me pose la question de si je leur demande... Est-ce que je peux leur demander de la farine? Est-ce que si je leur demande de la farine en étant logique... Ah oui, je vous montrerai aussi, si j'y pense, comment faire pour régler ce problème. Je ferai un petit à côté là-dessus. Donc là, pour le moment, voilà, donc là j'ai toutes les stations de boulangerie qu'il faut. Donc là c'est parfait, c'est en train de partir. Donc ici c'est en train d'être rangé un petit peu. Et donc là il y a plein, c'est parfait, c'est en train de faire exactement comme il faut. Donc là j'ai du bois, j'ai tout. Là, il y a tout ce qu'il faut là-dedans, dans ces barils. Ils sont en train de remplir ceci. C'est extraordinaire, j'ai des vitoyens qui sont absolument super en ce moment. Vraiment. Donc, du coup, ils font plein de pain, ils font plein de tartes. Que des trucs pratiques, mais bon, ils les mangent quand même beaucoup. Donc, je pense que par ici, on va faire... où est-ce qu'on pourrait faire ça ? Pas envie de le faire trop loin, donc je pense que je vais plutôt faire ça ici. On va leur faire une petite salle à manger, si j'arrive à retrouver où c'est. Non, c'est pas une taverne. Atelier, forge, dining room. On va leur faire une petite salle à manger ici. Voilà. Et donc on va leur mettre du mobilier de salle à manger. Alors est-ce qu'on met plutôt en bois ou plutôt en pierre? Plutôt en pierre. Voilà. Hop.
Voilà, comme ça, ça fait beaucoup, mais ça sera toujours utile pour eux. J'espère. Donc là, il récupère les cailloux qu'il faut pour que ça... Donc là, ils doivent être en train de faire deux tables, j'imagine. On va voir ça très vite avec Clifton et son copain Fendrel. Voilà, deux tables. Maintenant, ils vont récupérer de la stone ici. Il la pose sur le côté, il repart de faire autre chose. D'accord, donc la nourriture a priorité sur le reste. Donc quand il y a quelque chose qui est possible à faire en nourriture, ils vont le faire en priorité avant le reste. C'est bon à s'en rappeler. Bientôt ils vont avoir des chaises dans la salle à manger, ce sera vachement mieux. Oh, il y a déjà une chaise, c'est super. Donc là nous avons Gloriana. Et Fendrel toujours qui nous font des trucs super. C'est génial. Et donc la Vévilla a l'air de plutôt bien tourner pour le moment. Donc ça c'est plutôt sympathique. Là, le champ de blé a l'air de gérer à peu près comme il faut. Combien j'ai... Ok là il n'y a pas de blé, il n'y a rien mais c'est normal. C'est très très bien. J'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de faire. Bon, ça on verra ça plus tard. Baking, du pain, ils sont parfaits, mais parfait, parfait, parfait. Donc ça c'est très bien. Dans pas très longtemps, ça sera mieux. On va accélérer un petit peu. Non, j'étais déjà en game speed 3. Je ne peux pas accélérer plus. Et voilà, donc la salle à manger est finie maintenant. Il retourne au rangement de tout ça. Donc ce qu'on va quand même déjà créer, c'est... Je vous propose de commencer... Ouh, mais dis donc, on peut faire plein de choses. Alors... Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, non, non... Ah, on peut faire différentes couleurs de toit, j'imagine. Ah, c'est sympathique. Eh bien, on va faire ça ici. Hop. Oui, je suis en train déjà de prévoir pour les sièges. Donc, je suis en train d'emmurer un petit peu la Vévilla pour ça. On va mettre ça ici. On va bien voir ce que ça va donner. Et vu que je pense qu'ils ne peuvent pas arriver par l'eau... On va couper cet arbre et faire ça ici. Et voilà. Donc par contre pour ça il va falloir que je casse du caillou à ne plus savoir quoi en faire. Et j'imagine qu'on va avoir un petit problème technique de ne pas avoir assez de cailloux à cet endroit de la carte pour ça. Et donc nous allons être obligés de descendre d'un étage et d'aller péter le pif à des ennemis. Et je sais que de toute manière, vous aimez quand on pète le pif à des amis. À des amis. Non, on dit bien sûr que non. À des ennemis. À des gens qu'on n'aime pas. Donc au niveau bois, il y a tout ce qu'il faut. Donc effectivement, on voit qu'on tombe très vite sur de la boue. Effectivement. Ah. Ça va être sûrement très juste pour le caillou. À cet étage-là, on risque de devoir descendre à l'étage suivant assez rapidement si on veut que ça fonctionne et qu'on puisse faire tout ce qu'on veut assez rapidement. On va essayer de récupérer de nouveaux vitoyens. Je vais cliquer Personal Room. Si j'arrive à le mettre au bon endroit, c'est plus facile. Voici, ça c'est réglé. Bien d'avoir deux immigrants vitoyens. Donc ça c'est réglé, ça c'est réglé. Donc ce bord de carte c'est réglé. Alors, on peut faire des trucs sympathiques quand même ici. Faudrait que j'essaye. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. Et donc il n'y a plus qu'à avancer un petit peu ici, à partir là, et à faire un second couloir d'habitation. Donc 4
sur 4, c'est à peu près une taille, j'imagine, potable. La dernière fois, j'en faisais du 3 sur 3. Aujourd'hui, je me sens magnanime, je leur fais du 4 sur 4. Et on verra bien ce qu'ils vont lire. Au pire, s'ils sont pas contents, ils iront chez les Taulis de l'autre côté de la rivière. Moi, ça ne me dérange pas. Voilà. Effectivement, ça va galérer dans le caillou. Mais bon, on va bien voir. Au niveau nourriture, ça a l'air d'être bien. Ça a l'air de gérer comme il faut. C'est très 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 bien. Donc on va attendre un petit peu de fermer tout avant de lancer des ordres pour faire des tourtes à la viande et autre chose. Là non, c'est plutôt pratique. D'ailleurs je vais annuler cet ordre ici, comme ça ils ne vont pas encore commencer à tout creuser là. Bon, effectivement, encore une fois, on a beaucoup 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 de boue. Anne ne serait d'accord avec nous. Hein, Anne Dufay serait d'accord avec nous. Tout à fait d'accord avec nous d'ailleurs, elle n'a pas le choix. Nous avons un oiseau dans tous les barils de matériaux. Et voilà. Donc ça, c'est réglé. Et donc il n'y a plus qu'à attendre un petit peu que tout se construise. Donc je vous propose d'attendre un petit peu dans cet épisode. Nous allons attendre sûrement un petit peu plus dans l'épisode suivant. Et je pense que l'épisode suivant, non, en fait, nous n'allons pas forcément attendre un peu plus dans l'épisode suivant. Puisque je pense, d'ailleurs, même, que nous allons tout de suite construire quelques... Non, il faut que je construise un nouvel endroit pour mettre tout ça. Bon, déjà, on va premièrement annuler ça. On reviendra plus tard... Et je pense que je vais mettre ça à côté de la salle à manger. Voici. Hop, on va faire une petite ouverture ici. Allez, creuse quelqu'un, s'il vous plaît. Un vitoyen, voilà, ça donne le chandelier. Le chandelier. Je ne sais pas, je n'ai pas le temps de regarder, mais sa donne a été très gentille et il a creusé. Pour ça, on va casser la dirt ici, parce qu'il était très gentil. Et donc ici, vous avez vu sur quelle icône j'ai été tout à l'heure, je pense que vous avez imaginé ce que l'on va construire. On va construire des racks à armes, et ça va être l'endroit où on va mettre le début des armes. Donc... des armes et des armures. Textre mud, la mud, on s'en fout, le caillou par contre on va pas le casser. Armure. Et voilà. Ça va plutôt vite en fait une fois que c'est lancé, que ça fonctionne. Donc je vais vous passer les tic-tic-tic quand même en changeant d'étage. C'est vrai qu'on manque un petit peu de vitoyens quand même. Hein. Mais j'ai un peu peur au niveau nourriture si on récupère d'autres vitoyens. Donc on va quand même regarder si j'arrive à monter le baking. J'arrive à le monter, donc ça veut dire qu'on a de la farine quelque part. Et donc si j'arrive à monter ça comme ça... 10 morceaux de pain et une tarte... Ça veut dire qu'on va creuser ici, et non, on va creuser ici, voilà, et qu'on va faire des nouveaux personal rooms pour des nouveaux vitoyens, et en même temps nous allons lancer de l'armure en bois, et là vous voyez déjà ce qu'on commence à préparer pour le prochain épisode j'imagine, Stone Hammer... Ça fait combien d'attaques? 500 de machin, 500 800. Batatatam.
faire 5 comme ça et 5 comme ça, puisqu'entre le fléau et le marteau, c'est exactement les mêmes statistiques, donc on va faire des marteaux. Au pire, ça sera utile pour autre chose plus tard. Donc, creusons les accès aux chambres. Voilà. Eux aussi vont avoir des chambres spéciales goût. Et donc, on va pouvoir attirer avec ça des nouveaux vitoyens. Et qui dit nouveau citoyen dit nouveau travailleur, et nouveau travailleur, ça veut dire que, hé, ça va aller plus vite. Et ça, ça va être très 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 pratique. J'espère qu'ils ne vont pas être offusqués de devoir dormir à côté des cubes de boue sur pas de lit. Mais c'est pas grave, ils doivent être jeunes. Ah bah, peut-être va avoir un peu de pierre dans sa chambre, peut-être. Et donc, je propose que nous créions quelques petits lits. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, grande chambre, 8, 9, 10, 11, 12, et 13, et 14, et 15... et 16. Donc, vous pouvez calculer 16 fois 3, ça va demander beaucoup de bois. Mais c'est pas grave parce qu'on va pouvoir... Qu'est-ce qu'il faut pour faire un lit? Il faut uniquement un carpenter bench. Donc on va faire deux nouveaux carpenter bench ici. Donc une fois que ça, ça va être fini d'être creusé, j'imagine que certains de mes vitoyens vont commencer à faire les lits et les carpenter bench. Pomme arrive, c'est très 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 bien. Donc, au niveau chaîne de nourriture, ça a l'air d'être bien maintenant, c'est ça, oui, si, c'est une gâte, machin. C'est bien, donc la nourriture, ça a l'air d'être parti comme il faut. Donc, je pense que très prochainement, je vais faire un second système de champ pas très loin. Donc, c'est ça, là c'est quasi fini de creuser, donc une fois que c'est fini de creuser, ça, il n'y a plus rien ici, je l'ai mis en pause. Il doit y avoir un peu de bois ici. Il y a quand même du bois qui est coupé quelque part. Oui, il y a du bois qui est coupé quelque part, donc il doit traîner par terre. Et donc j'imagine qu'ils vont pouvoir, voilà, lui il fait des pains. Bien d'arrêter de faire un peu de nourriture et de commencer à faire des trucs bien, c'est-à-dire un carpenter bench et des lits. Allez, finissez d'abord de creuser aussi. Voilà, donc ça c'est très prochainement fini. Voilà, ça c'est parfait. Merci Mathilda, non, brune de ville, cruelle. Alors, elle va devenir soldate à ce tarif-là. Elle va forcément devenir soldate. En s'appelant cruelle, on ne peut pas faire autrement que de devenir soldat. Et donc Anne Dufay et Brunhilde Cruel nous fabriquent des petits carpenter bench ou des lits, je ne sais pas. Et non, ils nous fabriquent des armures, c'est vrai, j'aurais dû mettre en pause les armures avant de lancer les lits et tout ça. Les armes et les armures, j'aurais dû mettre tout ça en pause. Mais bon, c'est pas grave. Il en faut pour tout le monde. Et donc sur cette petite construction, hein, je vous propose qu'on se laisse là-dessus. Donc, j'ai dit que j'avais regardé l'heure peut-être, mais je ne me rappelle plus, mais en fait non, puisque si j'ai regardé, je l'ai oublié, donc c'est pas très problématique. Mais donc on va se laisser sur cette construction, et demain, nous allons nous retrouver pour de la construction d'armures, d'armes et de lits. Au revoir.